Y'a plein pas, vous avez bien quoi, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez devant vous, à l'heure actuelle, l'un des crânes les plus luisants du YouTube et du Twitch game. Ça me fait plaisir d'être enfin retourné me raser la barbe et raser le crâne, histoire de commencer à ressembler à quelque chose. Je trouve que j'ai du flow et l'avantage des YouTubers dans mon style. On enregistre les vidéos jusque là, on voit pas ce qu'il y a en dessous, donc vous me voyez pas en survêt dégueulasse avec la bidoche qui dépasse. On est réellement en position de force pour que vous puissiez dire, mais Zach, si je passer cet index le long de ton crâne, ne serait-ce pas une des plus grandes jouissances que cette terre puisse m'apporter? Et je te dirais bien que oui, mais malheureusement, bah tu n'as pas cette chance. On se retrouve aujourd'hui sur Black Ops Cold War, voilà, petite vidéo au calme. Ils ont ajouté, vous le voyez, un mode mosh pit, fusil de précision uniquement. C'est le mode dont je vous avais parlé, un mode full sniper. Et ça tombe bien parce qu'en ce moment, je ne fais que monter mes snipers, casser mes dernières armes principales avant le Dark Matter. Donc je suis en live à peu près tous les après, mais n'hésitez pas à passer twitch.tv/zachnani ou aller follow, c'est cool. Et en ce moment, on est en train de finir le Pellington que voici. Donc regardez, on a fait pas mal de choses dessus. Grosso modo, il me manque, voilà, quelques tirs de loin et les doubles kills une fois que je l'aurai monté niveau 50. En dehors de ça, j'ai monté absolument toutes mes armes en diamant, sauf derrière, bien entendu, quelques secondaires, type les lanceurs et autres. Ce sera réellement des armes à monter qui me donneront envie de mettre ces deux doigts-là dans la prise électrique la plus proche, et ce sera pas, tu vois, pour me faire plaisir, ce sera plutôt histoire de m'attacher avec une encre et me jeter dans le fond du Rhône. Nous allons tester, du coup, ce petit mode full sniper en ce moment. Je tenais à dire que je suis très en forme, donc je n'ai plus qu'à vous dire let's go baby. Let's go baby. Et quelle meilleure map que Red pour commencer une petite game sur ce superbe mode sniper only, avec bien entendu, on tente vite fait. Oh, le pré-shot légendaire, malheureusement, bon, c'est pas passé, mais on se fait plaisir. Je vais jouer cette game au Pellington. J'aurais aimé jouer au Tundra, qui est pour moi mon sniper favori. Lui, marqueur. Let's go! Le triple pour commencer la game! Franchement, vraiment, je suis un arnaqueur. Vous savez, quand je vous fais mes vidéos, le meilleur sniper français, le meilleur sniper mes couilles, tout ça, machin. À chaque fois, je vous les fais sur des périodes où je joue pas spécialement au snipe, alors que franchement, là, tu vois, ce petit Dark Matter, le truc qui m'enseigne, l'enseignement que je peux en tirer, c'est que quand je m'investis vraiment au sniper, j'arrive vraiment à un niveau pas dégueu. Je pense que vous avez pu le voir sur certains clips dans le best-of avec le Tundra où... Bah on va dire que c'était pas trop mal, c'était pas phénoménal non plus, hein, je suis pas le meilleur sniper. Aïe. Mais bâtard, il voulait me droiter. Je suis pas le meilleur sniper de quoi que ce soit, mais ah, on va dire que je suis pas trop immonde, même pour envoyer des quickscopes ou des merdes dans le genre. Ouille. Aïe. J'ai trop parlé. En tout cas, j'arrive enfin à mon objectif, hein. Je vous ferai une vidéo dédiée quand je vais choper le Dark Matter. Mais ça me fait vraiment plaisir de le refaire. Ça fait depuis BO3 que j'avais pas fait. J'ai essayé de fuir. Je le dis, j'ai refusé le combat. Ça faisait depuis BO3 que j'avais pas fait le Dark Matter ou un truc dans le style. Ou en tout cas que je ne l'avais pas réussi. Donc c'est vraiment très plaisant. T'es là. On dirait un objectif à la salle, sauf qu'à la fin du Dark Matter, je suis toujours aussi gros. Bon, disons que c'est pas super efficace en termes de physique de le faire, mais c'est pas grave, ce n'était pas l'effet recherché de toute manière. Attends, il y a quelqu'un. Ok, marqueur. Vraiment, je vous le dis. Voilà, let's go. J'allais dire encore un hit marqueur, mais bon, ça va, au final, on a quand même eu... avec un petit kill de flow. D'ailleurs, je vous remercie pour les retours que vous m'avez donnés sur le best-of. C'est pas celui qui a le plus fonctionné en termes de vues, mais bon, après, à côté, en termes de retours, bah, j'en étais très content. Il y a encore des choses à améliorer dessus. Je pense notamment, par exemple, mettre du contexte sur certains clips. Non, hitmarker encore une fois, j'ai pas de chance. Mettre du contexte sur certains clips, mais le rendu final était très très cool. De même pour la vidéo setup. Alors, par contre, pour la vidéo setup, il est vrai... Oh, que je n'avais pas remarqué moi-même au moment d'enregistrer la vidéo, que c'est vrai que le clavier n'était pas propre. Alors vraiment la honte d'enregistrer une vidéo setup où le clavier n'était pas propre. N'était pas parfaitement propre. Mais au global, vous voyez le petit step up, le petit glow up que je peux faire en termes hardware. Magnifique. Un autre. Magnifique. Je suis chaud. Voilà, si j'avais envoyé le pré-shot, ça aurait été... franchement, je suis pas mal, là, les mecs. J'ai bavé. Oh, je l'ai senti, j'ai bavé. J'ai bavé. Série 6. J'ai bavé, mais c'est pas grave, vous pouvez pas m'en vouloir. Je suis comme vous, hein, les gars. Je représente pas mal de gens. Souvent, à la radio, je dis... ouais, je représente la petite France, celle qui galère à choper des meufs, celle qui galère à faire de l'argent, celle qui galère à... Si, frère, je représente aussi la France qui a eu un appareil dentaire et qui, depuis... Hop.
postillonne à grand cru. Mais c'est pas grave. Effectivement, ce petit mode sniper me fait plaisir. Ce Dark Matter également. Et on se met bien. Et du coup, oui, merci pour le best-of. Merci également pour la vidéo setup. Et puis, j'ai hâte de vous montrer les locaux. De toute façon, j'ai deux belles séries qui vont venir sur ma chaîne à l'heure actuelle. Je vais vous les montrer. Enfin, je vais vous les expliquer. Une série sur mes locaux. Donc... où est-ce que je les ai pris, comment ça s'est passé, tout ça, un peu visite. Donc ça, ça viendra en février. Et une autre série, ce sera une où, avec un ami à moi, c'est notamment un ami qui a monté, qui a créé en fait les collections des merch Radio Sexe et qui était très très talentueux dans ça. On va monter, truc pas original, la collate, une marque de vêtements. Et en fait, je vais vous montrer tout. Sur le process de création, donc du coup, du fournisseur à la stratégie de prix, aux locaux, aux SAV, bref, vous allez un petit peu vivre le machin, et puis quand ça sortira, bah vous pourrez le voir. Si vous achetez, vous achetez, vous achetez pas, vous achetez pas, c'est pas très très grave. Moi, c'est juste que j'ai envie d'avoir des projets comme ça à l'heure actuelle. On grandit, les mecs, hein, c'est bon, hein, les soirées dans des hangars techno comme ça, là. Bon, de toute façon, on va dire qu'à l'heure actuelle, c'est un petit peu pas trop possible. Mais maintenant, on a envie de lancer des projets, de faire des moves, tu vois. Et la marque de fringues, c'est pas du tout... truc original, hein, des youtubeurs qui lancent des marques de fringues, on va dire que c'est... Ok, encore avec marqueur, c'est pas grave. On va dire que c'est un peu fait et refait, mais... Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai un harp, c'est magnifique la game que je suis en train de faire. Je vais pas me restreindre de lancer un truc juste parce que c'est pas ultra original, parce que moi vraiment je le fais par envie. Je le fais même pas spécialement, tu vois, juste pour le bif. Quand je dis juste pour le bif, c'est dans le sens on n'est pas une MJC, hein, ça doit en générer, mais à côté il y a vraiment une histoire, quelque chose que j'ai envie de raconter. C'est vraiment un graphiste qui est très talentueux, ce sera une marque qui ne sera pas dédiée autour de Zach Nani, hein. Vous allez pas voir mon logo sur une casquette et oh, j'achète parce que c'est Zach, hein. Non, ce sera un vrai truc à pouvoir mettre en vrai et avec une stratégie de prix qui visera mes frérots. C'est-à-dire que moi je veux faire dans le volume. Donc essayez de trouver le meilleur rapport qualité-prix pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez tous en acheter. Et pas vous offrir des hoodies à 80 balles. Je ne dénonce pas ceux qui le font, c'est plutôt que moi, c'est pas mon avis. C'est pas mon envie. Et mon avis. Bah, les deux en fait. On a bien scope fort là. Oh, et j'ai raté. Bon, c'est pas grave. Ah, j'ai voulu faire le beau gosse. Bon, en attendant, moi, franchement, je suis très très bonne humeur. Et on va continuer la série à venir, là, dans les jours à venir de Nostal Janvier. Alors, paradoxalement, ça m'a étonné. Alors, je ne sais pas pourquoi, certains ont des réponses. Pourquoi est-ce que la vidéo Nostal Janvier de Call of Duty 4 qui m'avait été très demandée a largement moins fonctionné que les autres? Mais genre vraiment largement moins, j'étais là en mode wesh, les mecs ils veulent pas voir du OG Code 4 quoi. Moi je pensais que Code 4, ça vous aurait intéressé. Bon, ça peut être la mini, il y a peut-être plein de raisons qui expliquent pourquoi vous n'avez pas cliqué dessus. Mais je continuerai malgré tout à le faire. Vous allez avoir la Advanced Warfare récemment. Puis en ce moment, vraiment, je suis full hype. Là, vraiment, ces derniers temps, j'avais beaucoup, beaucoup travaillé, tu vois. Et j'avais pas pris beaucoup de... Oups. Ah, bah j'ai touché. De temps libre. Donc de temps libre, de jours off et de voyage, genre, tu sais, passer voir les potes, etc. Là, j'ai pris le temps de le faire. Ça m'a fait un bien fou, les mecs. Et là, je suis revigoré. Sachant qu'en ce moment, en plus, j'ai de la hype sur tout. Frère, en ce moment, j'ai la hype. Vous savez quoi? Et je pense qu'on l'a un peu tous. La hype League of Legends, mes gars, mon gars. La hype League of Legends, la K-Corp. La K-Corp, ce qu'elle réussit à faire, là, vraiment, c'est incroyable. La LFL, la Ligue française des League of Legends qui fait des audiences. Mais t'as jamais vu ça, frère. T'as l'impression, c'est la Ligue 1, le truc. Bon, je grossis le trait avec la Ligue 1. Mais quand, par exemple, le match K-Corp versus Solari fait 200 000 viewers, je me dis quand même que c'est quelque chose d'assez énorme. Prime et Kamel ont réussi à faire un très beau truc et je les soutiens pleinement, même si on travaille plus ensemble. Et c'est vraiment, tu vois, je me renais comme ça. J'ai des frissons, ça me fait vraiment super plaisir, c'est du lourd. Et j'ai hâte également de voir Joël avec son petit BMS crew qui va aussi lancer son équipe, bon, qui sera peut-être pas sur LOL, mais qui est aussi un projet qu'il a en tête. Chacun ses petits projets, des équipes e-sport, des locaux, des marques de vêtements, des capotes. En plus, je parle de capotes, ça me fume parce que je l'ai déjà dit souvent. C'est horrible, hein. On est dans un mode full sniper, il a pu choper un hélico, mais vous devriez enlever les strict leto. Genre, ça veut dire que... Donc ça veut dire par exemple qu'on peut avoir la machine de guerre, je suis en 31-12, hein. Je suis en train de hard carry, je suis en 31-12, mec. Je suis en 31-12, ça veut dire qu'on peut aussi choper la machine de guerre, mais c'est de la merde, ça. Il faudrait qu'ils enlèvent les killstreak leto pour que ce soit parfait, parce que le premier Gugus qui chope sa machine de guerre et qui vient tirer sur tout le monde au sniper, c'est pas très très juste. Attends, on va essayer de bien finir la game, et de quand même gagner, parce que là... On était en train de filer ce que j'appellerais... Attends, il faut que je retrouve un kill, parce que là, j'ai pas fait de kill depuis tout à l'heure. Voilà. Il faut que je retrouve de la confiance, parce que quand tu fais pas un kill pendant un moment au sniper, tu perds ta confiance et à ce moment-là, t'es plus super efficace. Hop, y'a quelqu'un dans la cuisine. Ouais, il m'a vu. Ah, fils de... Il était en train de scoper comme un chien. Je vais en spawn. Reviens. Reviens, petit. Quoi, j'ai pas tué là?
l'ai pas touché. J'ai un AFK dans ma team et tout. Oh, c'est la merde. 92-90, regardez. Je suis stressé. I am stressed. Viens là. Oh, j'ai arrêté de viser au moment où il est arrivé. Faites les kills dans la cuisine, faites les kills dans la cuisine. Mais vous avez des kills à faire dans la cuisine, comment vous prenez une colotte? On a perdu la première place. Oh, les affreux! Comment vous prenez une colotte? On repasse devant. Ok, super. Ça va arriver en face. Encore. Je crois que le deuxième... Let's go! Nice. On a pris la fucking win. Let's go, baby. Ah, il fait plaisir, celle-là, franchement. 35-15, mythique, en face, ça a été monstrueux. Ouais, 53-20. Alors lui, 53-20, c'était le carry job de l'année. Hein. Moi, j'ai été pas mal, mais alors lui, il a été particulièrement monstrueux. Hein. Magnifique. Oh là 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 là, la collate était belle. La collate était belle. En tout cas, les travaux de sa part ont été énormes. Ce petit mode full sniper me fait très plaisir. J'espère que c'est également votre cas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On vient de passer niveau 300. Hein. Le jeu a été grindé en long, en large et en travers. N'oubliez pas le 4 février, le retour de Express de BO2 sur le jeu. La ligue qui devrait suivre un petit peu après. Et si la ligue est de qualité, bah vous allez avoir un Zach content et des vidéos qui vous feront très plaisir. C'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Pour ma part, on se retrouve dès demain, encore une fois. Hein. Quelle originalité. Je vais vous proposer un peu de Warzone. Vous allez voir du Warzone qui arrive sur la chaîne. C'est prévu. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous.